Cheers. Bonjour, je suis David Malmans, l'éditeur des éditions Forges de Vulcain, et je réponds à des questions qui m'ont été envoyées via les réseaux sociaux. La première question nous vient de David à Paris. David, les couvertures des livres des Forges sont souvent remarquables. Pourquoi n'existe-t-il pas de prix littéraire pour récompenser le contenant aussi bien que le contenu? Un peu comme pour le cinéma où on récompense la meilleure affiche, le meilleur son, etc. Une couverture ne fait-elle pas partie de la magie d'un livre et de ses effets spéciaux? Alors merci David de ta question, parce que en fait ce n'est pas une question, c'est juste un gros compliment, et c'est très agréable de recevoir des gros compliments quand on en a besoin. En fait les Forges ont déjà gagné des prix pour leur couverture, même si ce n'est pas des prix très très connus, mais celui qui m'avait fait particulièrement plaisir, c'était le prix pour la couverture de Martyr français, un roman sorti en janvier 2017, qui est un roman qui parle de la montée de l'ultra-droite en France. Et la couverture d'Elena Vieillard avait été distinguée par la librairie Mola comme étant la meilleure couverture de ce mois de janvier ou février 2017. Alors j'ai prononcé le nom d'Elena Vieillard. Elena Vieillard, c'est la graphiste des Forges depuis quasiment les débuts des Forges. Et c'est elle qui a inventé cette maquette qui, depuis quelques années, a été reconnue comme une maquette qui, bah, tout simplement, donne envie aux lecteurs et aux lectrices de lire nos livres. Mais les Forges ont une histoire graphique complexe, puisque au début, nous n'avions pas de sous, et c'est moi qui faisais les couvertures. Donc là, vous avez la première maquette des Forges pour un premier roman, Contre-temps de Charles-Marie. Très bon roman, mais qui a été un peu desservi par la couverture, même si vous aurez remarqué que sur la couverture, il y a une illustration de Julien Paco, l'illustrateur contemporain, qui nous a laissé gracieusement ce droit de couverture. Mais la maquette, qui a été faite intégralement sous Word, s'inspire beaucoup des maquettes folio, mais en moche. Voilà, c'était mon interprétation de cette couverture. Et donc je me suis rendu compte assez vite que ces couvertures ne fonctionnaient pas, et donc je suis parti en quête de quelqu'un pour m'aider à faire des couvertures un peu plus belles. Et un jour, j'ai eu la grande chance de recevoir un email d'une étudiante qui voulait faire des couvertures. Et cette étudiante, c'était Elena Vieillard, et elle a fait une première proposition graphique, qui était donc ce qu'on appelle un principe de couverture, une sorte d'enveloppe qu'on va décliner sur plusieurs couvertures, plusieurs titres. Et là, vous avez un exemple de cette maquette qu'on appelle parfois la maquette avec les parenthèses ou les accolades. C'est des accolades, en fait. Hein. Donc, c'était avec une police de caractère au pinceau et une illustration que je choisissais souvent moi, ce qui n'est pas nécessairement une très bonne idée. J'aurais peut-être dû laisser Elena choisir l'illustration. Alors, en fait, cette maquette n'a pas vraiment pris en librairie. Alors, elle avait quelques fans, mais principalement, elle suscitait soit l'indifférence, soit le scepticisme. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments là-dessus, c'est qu'elle prenait pas mal de codes de la littérature jeunesse, donc ça faisait peut-être pas très sérieux. Je pense que le blanc imprimeur, ça fait pas très professionnel non plus. Il y a toutes sortes de raisons, elle était pas très lisible, il y avait peut-être trop de petits signes parasites, et donc elle a dû être abandonnée. Et en fait, j'ai fait une petite infidélité à Elena, et je suis allé voir le graphiste et designer contemporain, Geoffrey Dorn, qui, avec Enza Chaffron, a inventé cette maquette qu'on a eu pendant 2 ans. Donc le principe de couverture a été inventé par Geoffrey Dorn, et les couvertures une par une ont été réalisées par Enza. Alors moi j'ai trouvé très belle, très équilibrée, très élégante. Je pense que rétrospectivement c'est un type de maquette qui irait sans doute beaucoup mieux à des textes de sciences humaines, par exemple, ou à d'autres types de textes. Mais en tout cas, malheureusement, là non plus, ça n'a pas complètement pris en librairie, et c'est devenu une sorte de blague, en fait, nos couvertures, il y avait un problème avec nos couvertures, les couvertures des Forges étaient problématiques. Et donc, je suis retourné voir Elena Vieillard, et Elena a inventé cette maquette, qui est encore notre maquette actuelle. On était à l'été 2016, et là, vous avez le premier roman solo de Gilles Marchand, qui s'appelle Une bouche sans personne, avec cette maquette qui est à la fois illustrée et graphique, qui est colorée, et qui a tout de suite rencontré son public. Certes, grâce au talent de Gilles Marchand, mais aussi parce que c'était la bonne enveloppe pour ce texte,
à la fois lisible et visible. Visible parce qu'elle attire l'œil, lisible parce que ben, on arrive au moins à savoir ce qu'il y a en couverture et on devine que c'est de la fiction et voilà. Et en fait, toutes nos couvertures dorénavant ont ce principe de couverture. Il est pas, on en a même profité pour refaire la couverture de Contretemps de Charles-Marie. Vous voyez la différence? Tout de suite, on a un peu plus envie de lire ce livre. Et avec le temps, j'espère qu'on pourra refaire toutes nos couvertures dans cette maquette. En fait, tous les auteurs des Forges n'ont pas cette maquette de couverture. En fait, un auteur comme Romain Ternaux, qui a une esthétique très particulière, qui est très bizarro, trash, très drôle, très excessive, en fait, son esthétique, elle est très homologue, elle ressemble beaucoup à l'esthétique d'un illustrateur que vous connaissez sans doute, même si vous ne connaissez pas son nom, c'est El Caravat. Alors vous connaissez sans doute parce qu'il fait beaucoup d'illustrations dans la presse. Et j'ai toujours trouvé que bah, El Caravat et Romain Ternaux avaient des univers similaires, ou du moins comparables, l'un en littérature, l'autre dans l'illustration. Et je trouve qu'ils fonctionnent très bien ensemble. Voilà. Et l'autre auteur qui a une maquette qui est spécifique, c'est William Morris. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais de William Morris et de cette couverture. Donc ça, c'était la première édition. Et ça, c'était la dernière édition en date du Lac aux îles Enchantées. C'est le même texte, la même traduction réalisée par Francis Guévremont. Et en fait, d'une certaine façon, cette couverture, c'est un effort de réalisme de ma part parce que la première couverture, c'était une tentative d'insérer un auteur victorien, parce que William Morris est un auteur du 19e siècle, de l'insérer dans une proposition graphique contemporaine qui est la proposition graphique d'une collection où vous allez trouver des auteurs contemporains et des auteurs classiques. Et c'était une sorte de pari pour essayer d'amener des nouveaux lecteurs sur William Morris. En fait, ce pari a complètement échoué. Et il y a une sorte de repli stratégique qui a consisté à aller chercher dans l'iconographie du 19e siècle des tableaux. Là, c'est un tableau de Waterhouse qui date de 1897, un an après la mort de William Morris. Waterhouse qui n'est pas un pré-raphaélite, mais qui est héritier d'une certaine façon de ce courant pictural dont William Morris a fait lui-même partie, puisque William Morris était écrivain, mais aussi designer textile, dessinateur, enfin plein d'autres choses. Et ça me permet de souligner à quel point la difficulté en fait de choisir une couverture, c'est que une couverture, c'est une promesse. C'est pas une promesse qu'on fait à tout le monde. Il n'y a pas de couverture qui puisse plaire à tout le monde, mais il faut qu'elle plaise aux bonnes personnes. Et c'est vrai que pour les lecteurs-lectrices qui recherchent de la littérature classique ou patrimoniale, des trésors enfouis des siècles passés, eh bien c'était finalement plus logique de revenir à ce type de couverture. Et sur la question des couvertures, j'arrive à la deuxième question du jour, qui est une question de Xavier, qui est libraire à Rennes. À ton avis, les titres de genre que les Forges publient trouvent-ils plus facilement leur place chez les libraires généralistes ou chez les spécialisés? Est-ce une volonté des Forges de ne pas genrer plus que ça les couvertures, ou cela vient-il tout simplement d'un fait naturel que, pour les Forges, un bon livre est un bon livre, peu importe son affiliation? Alors je te remercie Xavier, parce que comme je disais tout à l'heure, la question des couvertures c'était devenu une blague il y a quelques années pour les Forges. Aujourd'hui ça reste toujours une préoccupation importante, pas simplement, enfin même si aujourd'hui ça fonctionne d'une certaine façon, mais il y a une difficulté proprement éditoriale aux Forges qui est... Alors vous allez voir plus clairement ce que je veux dire, mais c'est que les Forges en fait sont à mi-chemin de deux rayons de la librairie, c'est-à-dire que nous publions des titres d'imaginaire mais qui ont des ambitions littéraires, et des titres de littérature générale qui ont parfois un peu d'imagination, un peu de folie, et ça les place dans une catégorie qui éditorialement existe, qu'on appelle la transfiction, mais qui n'existe pas véritablement en librairie. Souvent un titre de transfiction, c'est-à-dire qu'à mi-chemin de la littérature de genre ou de la littérature générale, eh bien, il va se retrouver soit en littérature générale, soit en littérature de l'imaginaire. Mais je vais répondre de manière plus longue à la question de Xavier, mais pour répondre à la toute première question qui est très spécifique, pour l'instant, les Forges ont clairement plus de succès, entre guillemets, en littérature générale, c'est-à-dire quand on place un livre d'imaginaire des Forges en littérature générale, il rencontre plus son public.
Je vais donner un exemple très simple. C'est que je pense que Xavier a peut-être une idée derrière la tête. Il pense peut-être à un titre qu'il a eu entre les mains et qui sortira dans quelques semaines, si un jour le confinement finit. C'est le premier roman de Claire Duvivier qui s'appelle Un long voyage. Donc avec un peu de chance, il sortira en mai 2020 ou en juin 2020. Donc Un long voyage, c'est plutôt de la fantaisie. Donc ça appartient à ce genre littéraire où peuvent être classés des titres comme Game of Thrones, comme Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, comme les nouvelles de Conan par Howard. Voilà. Alors, c'est la même maquette que le texte de Gilles Marchand que je vous montrais tout à l'heure. Elle est un tout petit peu plus fine dans le dessin. Et en fait, en affinant un peu ce dessin, ça va la rapprocher des canons de la littérature de l'imaginaire, mais sans pour autant respecter ces canons. Là, vous êtes sur un classique de la littérature de l'imaginaire. Alors, effectivement, c'est un roman américain dans son édition américaine, mais c'est finalement très évocateur pour moi de ce qui est souvent la littérature de l'imaginaire. C'est-à-dire, on est dans l'illustration, parfois très très belle. Là, c'est pas exceptionnel, mais parfois il y a des grands grands dessinateurs illustrateurs de littérature de l'imaginaire en France. Et en fait, c'est une littérature qui est parfois un tout petit peu transitive, c'est-à-dire ce qui est important, c'est l'objet qu'elle représente, pas nécessairement le mode de représentation. Et donc, il faut qu'elle donne son contenu d'une certaine façon. Là, vous avez des dragons, des uniformes, des objets technologiques. Vous avez déjà un résumé de ce qu'il y a à l'intérieur du texte et de cette forme d'exotisme, exotisme de l'imaginaire que le lecteur ou la lectrice reçoit comme promesse et espère trouver dans le roman. Effectivement, je vais pas faire des longues explications de texte, mais le roman de Claire Duvivier, c'est un roman dans lequel il n'y a pas de dragon, il n'y a peut-être pas de magie, ça je peux pas vous dire. Enfin, je l'ai lu, hein, mais je veux pas non plus tout divulgâcher. Il y a une évocation du voyage, mais finalement, c'est plus un appel à la lecture qu'on pourrait trouver aussi en littérature de l'imaginaire. Et donc cette couverture, je la trouve soluble dans les deux rayons. Mais c'est vrai que, y a une partie des lecteurs d'imaginaire qui sont parfois déstabilisés par les couvertures des forges, parce qu'ils s'attendent à quelque chose de plus illustré. Et parfois, on a aussi des lecteurs, lectrices de littérature générale qui vont ressentir des sortes de blocages. Alors les blocages, c'est des constructions culturelles, mais toute construction culturelle n'est pas une illusion. Parfois, elle recoupe quelque chose de très sérieux. Mais en fait, pour comprendre ce que je vais dire, je vais faire un petit retour en arrière sur l'histoire des forges de Vulcain. Il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai offert un livre à une amie. Cette amie, elle est professeure à l'université spécialisée en littérature américaine. Et je lui ai offert un roman d'Ursula Le Guin, qui est la plus grande romancière américaine du XXe siècle. Du moins la plus primée et une des plus lues. Ce roman, c'était l'édition américaine de La main gauche de la nuit, que vous voyez là. Et quand elle a vu la couverture, horrifiée, elle m'a dit, mais moi, je ne peux pas lire quelque chose comme ça. Quelles que soient ses qualités, je ne peux pas lire quelque chose comme ça. Je pense en fait que, d'une part, à l'époque, j'étais encore pas vraiment éditeur, et donc j'étais très naïf, et j'étais encore dans cette phase où quand on aime quelque chose, on l'imposait à tout le monde. Alors que plus on fait de l'édition, plus on rentre dans une sorte de réalisme, où on se rend compte qu'il faut d'abord plaire aux gens qui sont le public naturel d'un texte avant d'essayer de convaincre les plus rétifs, les plus sceptiques. Mais c'est vrai que sa prévention contre ce type de couverture est pas quelque chose de complètement malvenu. Dans la mesure où une couverture illustrée, ça promet souvent une histoire qui va être très centrée sur des événements, des faits, une histoire, une intrigue, et peut-être pas dans un rapport à la langue. Or, ce qui fait une œuvre littéraire complète, c'est à la fois le narratif, mais aussi un rapport à la langue qui est spécifique. Alors, chez Ursula Le Guin, il y a ce rapport à la langue, c'est-à-dire que c'est une très très grande plume en langue anglaise. Elle est aussi poétesse, essayiste, enfin elle était. Et voilà, mais la difficulté c'est que si ce texte se retrouve au milieu d'une table où l'essentiel des textes c'est des textes d'imaginaire de divertissement, il y a des gens qui vont se détourner de cette table et passer à côté de pépites. Et en fait, l'idée avec les forges c'est de créer un catalogue de titres où va y avoir ce travail visuel
qui va aussi inciter à des nouveaux lecteurs à découvrir ces textes. Donc j'espère que le texte de Claire Duvivier séduira à la fois en littérature générale et en littérature de l'imaginaire, et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver une maquette qui pouvait fonctionner un peu dans les deux catégories. Pour vous donner un autre exemple, et pour rester sur Ursula Le Guin, le premier volume d'essai d'Ursula Le Guin, Le langage de la nuit, The Language of the Night, est sorti à la fin des années 70. Donc là, vous avez une couverture classique d'imaginaire. C'est pourtant un recueil d'essais, c'est pas une fiction, où vous avez un dragon, un mage, un magicien, un nain avec une épée. Voilà, une couverture assez classique. Quand nous, on l'a fait traduire pour la première fois, donc par Francis Guévremont, comme c'est un essai littéraire et, à mon avis, il était fondamental que plein de gens qui sont intéressés par la théorie de la littérature ou l'histoire littéraire puissent le lire, on a fait cette couverture-là, qui est une couverture certes avec une dimension graphique, mais plus typographique, donc avec l'essentiel de l'identité passe par les choix de police, et en fait là c'est des polices. Bon, je vous invite à aller regarder. Et c'était un moyen d'aller chercher des nouveaux lecteurs. En fait, on a quand même réussi à aller chercher des nouveaux lecteurs avec ça. Mais quand ça a été repris chez nos amis du Livre de Poche, alors le Livre de Poche, ils ont fait quelque chose que j'ai trouvé assez malin. Et c'est là où, en fait, où on voit que les éditeurs de poche sont parfois des meilleurs commerçants que les éditeurs de grand format. Là, en fait, vous avez une sorte de revival d'une couverture des années 70. Les romans de science-fiction ressemblaient souvent à ça dans les années 70, plus trop aujourd'hui. C'est plus les mêmes gammes couleurs qu'on utilise, le dessin est peut-être un peu plus propre aujourd'hui. Mais quiconque connaît un peu Ursula Le Guin peut voir que c'est pas une illustration qui date des années 70, parce que là, en fait, vous avez le visage d'Ursula Le Guin, mais âgée, tel qu'elle était quelques années avant sa mort. Or, dans les années 70, Ursula Le Guin était jeune et n'avait pas ce visage-là. En fait, ça, c'est une illustration de 2016 qui a été faite pour le New Yorker et qui est un revival. Et c'est une manière, d'une certaine façon, de s'adresser au public naturel et de signer le fait qu'on est face à une œuvre classique, patrimonial, daté d'une certaine époque, mais qui est aussi évocateur d'une tradition, c'est-à-dire tout simplement du fait que Ursula Le Guin, c'est une romancière de référence. Donc, pour répondre à la question de Xavier, il y a cette réflexion aux forges de voir quand même, même si nos textes sont transfictionnels, à la fois appartenant à deux catégories, voir comment l'enveloppe est à chaque fois pensée pour pousser le texte un tout petit peu en littérature générale ou un tout petit peu en littérature de l'imaginaire. C'est une prise de risque parce que je sais qu'à chaque fois on perd un peu certains lecteurs, mais on en découvre d'autres et souvent ils nous remercient parce qu'on a souvent des retours de lecteurs ou de lectrices qui nous disent que ce qui fait, d'après eux, l'identité des forges, c'est la surprise. Voilà. C'est pendant des années, j'ai cherché quelle était l'identité des forges, ce type de choses, et c'est en fait après avoir publié beaucoup de livres et en écoutant ce que pouvaient me dire des lecteurs, lectrices, libraires, que j'ai identifié ce qu'était l'identité des forges. C'était tout simplement de surprendre un peu, et puis le meilleur moyen de surprendre, c'est d'attirer un peu l'œil par ce type de couverture et laisser la magie opérer. Merci. C'est pas mal, j'ai mis un pantalon aujourd'hui.